Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu. Hogwarts Legacy Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon, trouver la salle des communes. La salle commune déjà. J'espère qu'un professeur la coincera cette fois. On va récolter du croyez-moi, ça va vous plaire. Tu ne veux pas goûter? C'est moi qui l'ai faite. Bonjour, tu es l'élève de 5e année qui vient d'arriver? Enchanté, je suis Gareth Weasley. J'ai entendu parler de ton arrivée ici. Incroyable! Je suis content que vous alliez bien, figuez-toi. C'est vrai qu'il y avait quelqu'un du ministère avec vous dans la diligence? Oh, oui, une connaissance du professeur Fig. Oh, je ne voulais pas être indiscret. Sale affaire, les dragons. Je suis soulagé que tu ailles bien. Merci bien, Gareth. Moi aussi. Tu es de la même famille que le professeur Weasley? Ouais, c'est ma tante. C'est pas compliqué pour toi d'avoir ta tante ici? Encore plus que ce que tu penses. La plupart des gens imaginent que je peux faire tout ce que je veux sans aller en retenue, mais ils ont tort. Tante Mathilda a tendance à me traiter comme si j'étais en première année. Elle me surveille de très près et c'est un peu étouffant. Mais je sais qu'elle veut bien faire. Et c'est une sorcière très puissante. On peut toujours compter sur elle. Tu aimes les mixtures, on dirait. Je suppose que tu es doué pour préparer les potions. Eh bien, d'après moi, il y a fondamentalement peu de différence entre une version modifiée de la bière au beurre et une potion Wiganweld. Bien que je ne sois pas sûr que le professeur Sharp soit d'accord. Il n'apprécie pas autant ma créativité que tu pourrais le penser. Tu bois de la bière au beurre dès le petit déjeuner? Hein? Oh non. J'essaie de perfectionner une recette que j'ai inventée cet été. J'y suis presque. D'après certaines réactions, il me reste peut-être encore un peu de travail. C'était un plaisir, Gareth. Et voilà. Et merci de m'en avoir dit un peu plus sur ta tante. Plaisir partagé. Bonne chance pour aujourd'hui. Bon. Je ne peux pas m'attirer cette nuit dès le premier jour. Attends, ce n'est pas ça? Moi qui pensais vraiment avoir compris. Je ne comprends pas ce que je fais de mal. Ce n'est pas un sort compliqué. Je devrais pouvoir le lancer sans utiliser ma voix. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Oh, bonjour. Bienvenue à Gryffondor. Je suis Cressida. Ravie de faire ta connaissance, Cressida.
Tu as fait une entrée spectaculaire à la cérémonie de la répartition hier soir. Tu es arrivé juste à temps. C'est vrai que tu es le protégé du professeur Fig ? Non, j'ai seulement étudié un peu avec lui avant notre arrivée. Zut ! J'espérais qu'il t'avait donné des conseils sur les sortilèges informulés. C'est ce que tu essayais de faire tout à l'heure ? Ah, oui, j'ai un souci. J'ai maîtrisé le sortilège à l'aide de son incantation, mais c'est un peu plus compliqué. Encore un peu d'entraînement et tu y arriveras. Je me suis entraînée tout l'été. Je peux lancer des sortilèges plus compliqués que ça, sans parler. Pourquoi celui-ci me donne tant de mal ? Je vais continuer à travailler. Est-ce que beaucoup d'élèves lancent des sortilèges informulés ? Pas du tout. On n'apprend pas les sortilèges informulés avant la sixième année. Et de nombreux élèves ont beaucoup de mal. J'essaye simplement de prendre de l'avance. Est-ce vraiment difficile de lancer des sortilèges informulés ? Oh, oui. Et si on n'y arrive pas, le résultat peut être un peu... embêtant. Une fois, j'ai essayé de lancer Repulso sans parler sur un verre dans la grande salle. Et j'ai envoyé du pudding au visage du professeur Sharp. Il n'était pas ravi. Eh bien, bonne chance. C'était un plaisir de te rencontrer, Cressida. Moi aussi. Profite bien de ton premier jour. Cette fille pense qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut croire, Nelly. Dès le premier jour. Dommage que tu n'es pas d'elle, Nelly. Je suis sûre qu'elle te servirait. Pourquoi tout le monde est si tendu ? Il n'y a aucun danger. Oh, bonjour ! Ne fais pas attention à moi. J'aime changer de point de vue de temps en temps, pour mettre les choses en perspective. Une fois, j'ai escaladé la tour de Gryffondor, depuis l'extérieur, sans balai. Incroyable ! Je m'appelle Nelly, au fait, Nelly Oxpire. J'ai entendu des rumeurs sur ce qui t'est arrivé sur le chemin de Poudlard. C'est vrai, pour le dragon ? C'est vrai, et j'ai failli y passer. Le professeur Fig et moi avons de la chance d'être encore en vie. Oh, je suis désolée pour toi, et pour ce pauvre homme du ministère, bien sûr. Mais quand même, t'as pu voir un dragon. En tout cas, t'as apporté un peu d'animation à Gryffondor et à Poudlard. On en avait bien besoin. Quelles sont les rumeurs qui circulent sur mon arrivée à Poudlard ? Juste que tu as survécu à une attaque de dragon, c'est déjà pas mal. La plupart d'entre nous arrivent par train ou par bateau, pas en échappant aux mâchoires d'un dragon. Évidemment, ça fait jaser. Tu sais, les nouvelles vont vite à Poudlard. Je suppose que tu ne crains pas le vertige. J'ai toujours fait ça, depuis que je suis enfant. Quand j'avais 5 ans, ma mère m'a trouvée sur le toit. Elle ne sait toujours pas comment je suis arrivée là. Mais avec toutes les pièces étranges que recèle ce château et tout ce qui rôde à l'intérieur comme à l'extérieur, pas besoin d'escalader une tour pour voir quelque chose d'incroyable. J'imagine que la plupart des élèves n'ont jamais vu de dragon. Et toi ? Oh non ! Et je n'avais jamais entendu parler d'un dragon attaquant une diligence. Il n'y a pas assez de viande pour lui à l'intérieur. Je pense qu'on se recroisera. Soit dans la salle commune, soit quand tu escaladeras ta prochaine tour. On sait jamais. Au revoir alors. C'est là. Bonjour. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée ? Je rêve de cette journée depuis longtemps. J'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard.
Bon, étant donné que vous nous rejoignez directement en cinquième année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. B-U-S-E ? Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Tenez, voilà. Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Merci, professeur. Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression ? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi. Nous allons vous tester. Par ici. Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. J'aurais aimé avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Utiliser le guide vous encouragera aussi à prêter attention à ce qui vous entoure. Ne traînez pas. Ah, le guide semble avoir des informations pour vous quant à ce portrait du pauvre Baruffio. Lancez simplement Réveillon dessus et nous verrons ce que nous dit le guide. Ok, c'est pas ça. Réveillon. Ce portrait représente le sorcier Baruffio, célèbre pour son élixir cérébral et un exemple de ce qu'il arrive lorsque les incantations ne sont pas bien prononcées. Après qu'il prononça un B à la place d'un V, sa femme se retrouva avec un bison sur les épaules. Vous venez de débloquer un défi du guide du sorcier. Votre progression dans le défi est affichée ici. Les défis du guide du sorcier sont le seul moyen d'obtenir des points d'expérience. Récupérez les pages du guide du sorcier de Poudlard 1 sur 2. Start pour ouvrir le livre. Voici votre niveau de sorcellerie. Expérience obtenue au cours des défis augmente votre niveau et votre puissance. Votre guide du sorcier suit votre progression dans le défi actuel. Sélectionnez le menu de défi. En récupérant la première page du guide, vous avez débloqué une nouvelle catégorie de défis. Les nouveaux défis que vous débloquez au fil de l'aventure apparaîtront ici. Sélectionnez les pages du guide du sorcier pour continuer. Chaque défi comporte plusieurs niveaux. Des récompenses spéciales sont débloquées à chaque niveau. Terminé. Détenu aux améliorations essentielles. Les récompenses doivent être récupérées dans le menu défi. Consultez-le souvent afin de récupérer les récompenses que vous avez débloquées. Pas mal, n'est-ce pas? Cherchez d'autres opportunités comme celle-ci, à l'intérieur du château comme à l'extérieur. Ah! Tu devrais faire plus attention! Réveillon. Pas de temps à perdre. On vous attend en classe.
juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le hall central. Vous avez découvert le point de déplacement rapide par la flamme de cheminette. Vous pouvez ouvrir la carte à tout moment pour vous déplacer rapidement vers les flammes de la cheminette. Poudlard est divisé en deux zones principales, le côté gauche de la carte est l'endroit où vivent les élèves et les professeurs et abrite les salles communes de chaque maison ainsi que la grande salle. Et la zone de l'aile sud. Cette vue vous permet de voir toutes les flammes de cheminée disponibles dans la zone. Les flammes de cheminée vertes représentent les flammes que vous avez découvertes, y compris cette salle commune de votre maison. Les flammes de cheminée grises révèlent l'emplacement des flammes que vous n'avez pas encore trouvées. Du côté droit de la carte se trouvent les points d'intérêt académiques, tels la tour d'astronomie, la bibliothèque et les serres. Sélectionnez la zone de l'annexe de la bibliothèque. Le professeur Winsley a débloqué la flamme et la cheminette du hall central pour vous. Utilisez R pour faire tourner la carte et effectuer un déplacement rapide vers la flamme de cheminette du hall central avec X. Professeur Winsley, d'accord. Nous y sommes. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Cet escalier mène directement dans le hall central. Depuis le hall central, il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château. Notre garde King's Cross à nous, en quelque sorte. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister aux cours de sortilège et de défense contre les forces du mal, aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre à Préolard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Plus savoir, plus sur les cours. Que vais-je apprendre en cours de sortilège? Tout ce que vous pouvez imaginer. Sorts, enchantements, maléfices, tous très utiles. Je pense que vous allez adorer le professeur Ronan. C'est un sorcier brillant et amusant, doublé d'un enseignant très doué. Pouvez-vous m'en dire plus sur les cours de défense contre les forces du mal? La défense contre les forces du mal, comme son nom l'indique, met l'accent sur la protection contre les forces maléfiques du monde qui nous entoure. Une maîtrise parfaite de la défense contre les forces du mal est exigée pour devenir Aurore. Heureusement, nous avons la chance de pouvoir compter sur le professeur Hecat pour enseigner cette matière à nos élèves. Vous avez mentionné Préolard, professeur. Préolard est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne et abrite plusieurs boutiques et pubs. Vous devriez trouver toutes les fournitures dont vous aurez besoin à Préolard. Sous peu, vous y dégusterez, j'en suis sûr, nombre de bières au beurre avec vos amis. Je vous remercie, professeur Weasley. C'est beaucoup pour un premier jour, et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Vous rattraperez vite votre retard. Si je me fie à votre habilité à lancer Revelio, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée, en particulier cette terrible attaque de dragon. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Je regrette, professeur, mais il n'y a rien de plus à raconter. Le professeur Fig m'a dit la même chose, presque mot pour mot. Quand on parle du loup... Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Ah ? Oui,
Vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de 5e année des bases solides en matière de sortilège. Tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Quoi qu'il en soit, je suis ravie que vous soyez arrivés entiers. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous, vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien, assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier ? Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos deux cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller à Préolard faire quelques emplettes. Parlez au professeur Fig. Quel plaisir de vous voir, professeur. De même. J'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Je vous ai entendu éluder habilement la question du professeur Weasley sur notre retard. J'ai tenté d'esquiver ces questions, mais cela m'a paru malhonnête. Cela dit, je pense vraiment qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. À ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley, avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée ? Dépliez-la que je vous montre. Vous pouvez suivre les quêtes disponibles depuis la carte. L'icône d'un bouclier représente les quêtes principales. En terminant des quêtes principales, progresser dans l'histoire, débloquer de nouvelles fonctionnalités et obtenir de l'expérience. Certaines quêtes sont verrouillées par un sortilège ou nécessitent un certain niveau. Dans ces cas-là, vous devez atteindre le niveau requis ou maîtriser le sortilège nécessaire pour activer les quêtes. Les nouveaux sortilèges peuvent être obtenus en terminant les devoirs des professeurs ou en tant que récompense de quête. Salut Alexo Pico. Suivez les quêtes disponibles. Cours de défense contre les forces du mal. La carte du guide du sorcier indique que la salle du professeur Ekat se situe dans la salle dans l'aile d'astronomie. Je pourrais me perdre dans ce château. Je vais peut-être devoir utiliser la boussole ensorcelée, guide du sorcier pour trouver mon chemin. Ou la carte du guide des sorciers indique que la salle du professeur Ronan se situe dans l'aile d'astronomie. Ce château est immense. Je vais peut-être devoir utiliser. D'accord. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. Cela me sera très utile. Merci. Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend, entre les cours et vos achats de fournitures à Préolard, notamment votre baguette. Monsieur Ollivander va vous plaire. C'est un artisan hors pair et un ami fidèle. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. D'ici là, concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. Quête
Terminé. Boussole ensorcelée, nouvel objectif débloqué. Revelio. Pose de l'attendre, mon cas. Tour défense en défense du mal, emplacement de flammes de cheminette. En route pour de nouvelles aventures? Bonjour, madame. C'est vrai que le château est gigantesque. Certains d'entre nous n'ont pas forcément envie qu'ils reviennent à la leçon. Revelio. Et voilà. Là, derrière toi, il y a une place libre si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nati. C'est donc toi le nouvel élève? Tu as déjà rencontré le professeur Ronner? Est-ce que vous êtes prêts? Bienvenue en cinquième année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien, tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance? Quelqu'un? Non, personne? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour réviser maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé les vacances à vous exercer, à vous lancer oubliette. Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction. Bien, il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayer de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci. Allez à votre place. Action. Pas mal du tout. C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas, le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Missonai. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. Bon. Imagine qu'on va apparaître direct dans le jardin, ce serait l'idéal. Effectivement. Ah,
J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Hein? Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction, n'est-ce pas? Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer? Tout simplement, lancer Axio sur l'une des sphères, puis révoquer le sortilège au tout dernier moment. Le sortilège de... Bien. Voyez cela comme des bave-boules, par exemple. Mais au lieu de les lancer, vous essayez de les faire venir à vous. Le sortilège d'attraction. L'astuce est de tirer la sphère autant que possible, mais pas plus, ou elle tombera. D'accord? Je pourrais continuer à parler théorie jusqu'à demain, mais rien ne vaut la pratique. Montrez-nous comment faire. Le sortilège d'attraction d'Asio attire la cible vers le lanceur. Maintenant, maintenez RT et appuyez sur la touche assignée pour lancer Asio et attirer une cible vers vous. Appuyez à nouveau pour mettre fin au sort. Action. Très bien. Ce n'est pas grave. Superbe. Voilà. Très bien, des points pour Gryffondor. Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Miss Onai, voulez-vous bien défier votre camarade? Montez! Vous aurez les bleus comme tout à l'heure, Mademoiselle Onai, vous serez rouge, compris? Compris. Voilà comment on fait. Action. Excellent contrôle. Oh! Très bien. Je suis plus fort. Fallait que j'allais pleine force. On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord? Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Cette manche sera décisive. C'est parti. Et voilà. Action. Voilà comment on fait.
pas banal comme leçon, pas vrai? Action. Beau travail. Voyons voir. Et voilà. Un score parfait, c'est remarquable. Bravo à vous deux, beau travail. Le cours est terminé. N'oubliez pas vos affaires en sortant. C'était vraiment bien joué. Ça m'apprendra. Je n'aurais pas dû te sous-estimer. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps, je te promets. Ça me rassure. Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup. C'est peu de le dire. Je me souviens que je n'en menais pas large à mon arrivée. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. Ouagadou est une école plus grande que Poudlard ? L'école de magie de Ouagadou est la plus grande au monde. Alors oui, elle est plus grande que Poudlard. Mais je ne l'ai jamais trouvée intimidante ou oppressante. Je m'y sentais chez moi. Est-ce que Ouagadou est un château, comme Poudlard ? Elle est située dans les montagnes de la Lune. Ce n'est pas vraiment un château, mais un bel édifice taillé dans la montagne. Je me souviens de la première fois où je l'ai vu. Le brouillard était si épais que je ne distinguais presque rien. Puis elle s'est matérialisée devant moi. Une gigantesque école qui semblait flotter au-dessus du sol. C'est peut-être une question étrange, mais les sorts sont les mêmes là-bas ? En grande partie, oui. Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici. Personne ou presque n'en utilise à Ouagadou. Tu peux lancer des sorts sans baguette? Bien sûr. Je trouve la magie sans baguette plus intuitive. Et bien plus pratique si jamais on vient à égarer cette dernière. Mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup d'utiliser une baguette. Ça donne un côté théâtral. C'est passionnant de découvrir d'autres écoles de magie. Ton intérêt me va droit au cœur. Ouagadou me manque, mais je suis contente d'être ici, à Poudlard. Ah, je crois que le professeur Ronan voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. Bien sûr, il est possible d'utiliser Axio sur les humains, si tu le souhaites. Revelio. Il faudrait l'utiliser sur les vêtements, Sébastien. Tu sais bien que ce sortilège je ne fonctionne pas... Je peux vous parler un instant ? Effectivement, professeur Ronan. Vous vouliez me parler, professeur ? En effet. Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes ? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dites pas que la vie est pleine de surprises. Vous avez surpassé Miss Onai, une élève pourtant brillante. Merci, professeur. J'ai apprécié le duel. Miss Onai est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles.
de trouver les quêtes annexes disponibles dans les différentes zones de Poudlard, marquées d'une icône avec un drapeau. Découvrir en explorant le monde, ces quêtes permettent d'obtenir de l'expérience, mais ne font pas avancer dans l'histoire. D'accord. Okay. Cette paire de gants est ornée de mystérieux motifs. Elle obtient en terminant des quêtes principales. Sérieux de nouveau. Revelio. Action. Okay. Bonjour, c'est bien toi qui viens d'arriver. Salut. Bonjour, tu voulais me parler? Samantha Dale, j'avais hâte de te rencontrer. Tu es l'élève dont tout le monde parle en ce moment. J'espère que cette première journée se passe bien. Tu as fait des étincelles en cours d'enchantement. Oh, tu sais, la chance du débutant. Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités. Mais il faut dire que son arrogance lui a déjà joué des tours. Bon, j'ai des devoirs à faire. Je crains que la chance du débutant ne suffise pas à impressionner le professeur Ronan. Revelio. Revelio. Quel plaisir de vous revoir. Allez.
Un deuxième cours consécutif. Quoi, c'est tout? On part là. Professeur Ikat, soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des Hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'est du pays de Galles, et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles. Levioso. Levioso ? Un sortilège de lévitation ? Levioso ! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, Monsieur Prouette ? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien. Travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Levioso. Essayons quelque chose de plus compliqué. Commençons par le lancer de base. Effectuer un lancer de base en appuyant sur RT. À dévier votre sort. Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancer de base. N'oubliez pas qu'un adversaire surpris est un adversaire affaibli, comme Monsieur Prouette nous l'a si joliment démontré. Brisez les boucliers jaunes à l'aide d'un sort de contrôle, comme le sortilège de léviation Levioso. Levioso. Bien. À présent, le lancer de base. C'est très bien, mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Duelistes, à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant Levioso, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. Levioso, Protego, c'est votre premier duel. C'est juste que j'apprends. Les duels animés sont passionnants. Les duels seulement tous mes élèves étaient aussi attentifs. Tentez d'anticiper ce que votre adversaire va faire. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup. Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Gryffondor. Merci, professeur Ekat. Heureux d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités. Donc, ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Très bien, le spectacle est fini pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Beau travail.
Rébellion. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement ? J'ai eu l'impression d'affronter un expert. Au fait, je m'appelle Sébastien Palo. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. Si, c'était le premier. J'ai peut-être un don pour ce genre de choses. Tu peux frimer, mais je ne suis pas idiot. La magie exige de la motivation et du talent. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. Exclusif et clandestin ? Compte sur moi. Excellent. Je ne me suis pas trompé à ton sujet. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duel secret ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci, Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. À la prochaine. Si tu connais les sortilèges adaptés, ce sont les mages noirs qui te craindront, et pas l'inverse. Vous avez parlé à Lucan Brattleby, le club de duel secret. Parlez à Lucan. Ok, d'accord. Je n'aimerais pas affronter le professeur Hecate en duel. Rébellion. Voyager était incroyablement pénible avant que j'arrive. Squelette auguré, page du guide. Ce squelette est celui d'un phénix irlandais. L'auguré est une volaille extrêmement timide qui peut annoncer l'arrivée de pluie et dont le cri était autrefois connu pour annoncer la mort. Récupérer les pages du guide des sorciers de Poudlard. Donc, qu'est-ce que ça me donne quand je vérifie ça? On a une collection qu'on n'a pas vue ici. Au niveau d'un cadre, d'accord, qui nous a déjà été lu. Ensuite, je vais appuyer. C'est la quête. Ah. On a récupéré deux pages du guide. Récompense apparente. Hein? Donc, récompense d'apparence d'équipement de lunettes. D'accord. Récupérer 8 pages du guide de sorcier pour avoir la prochaine étape. D'accord. Rébellion. Mmh.
quoi ça? Sûrement une utilité que je connais pas encore. Si vous faites ne serait-ce qu'un mauvais pas, alors cette horrible odeur... Oh non... Rébellion. Donc... On va sauvegarder pour l'instant et on ira faire la prochaine mission. Comment est-ce que je fais pour l'équipement, collection, les paramètres? Effectivement, sauvegarder la partie. On sauvegarde par-dessus, écraser la sauvegarde, et oui. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!